J'ai connu Montlignon avec un groupe parisien qui venait toutes les 2 novembre. Je cherchais un apaisement par rapport au décès de mon époux et que je ne savais pas comment réparer, comment guérir ma souffrance et comment faire pour avancer. Et à ce moment, je me sens vraiment libre, apaisée et que bon, cette souffrance elle va être toujours là. Mais c'est une souffrance de joie maintenant parce que je viens me ressourcer à chaque fois que j'en ai besoin. Alors pour moi, je pense que vraiment il est déjà monté vers le Seigneur. Je l'ai inscrit à la fraternité, je fais des prières, je donne à faire des messes et je pense que, bon, je lui ai demandé pardon aussi. Et lui aussi de tout ce qu'il a fait, de pardonner aussi. Et donc, je pense qu'à partir du moment qu'il y a eu ce pardon, je suis sûre que là maintenant qu'il est vraiment en place où il devait être. Donc si ce n'est pas encore fait, il faut que je continue mes prières, mais avec beaucoup d'apaisement et je fais confiance et je sais que même s'il n'est pas arrivé, il y arrivera un jour. Alors, je fais partie d'un groupe de prière de Montlignon pour les défunts. Je suis à Rantigny, dans l'Oise, c'est le service Lyoncourt 3 de Saint-Martin. Et toutes les troisièmes mardis, le groupe est à 17h45. On reçoit régulièrement le livret. Avec ce livret, ce soutien, donc on fait le chapelet pour les défunts et tout. C'est un groupe qui est vraiment régulier. On tourne entre 4, 5, il peut avoir 10 personnes, mais toujours, il a toujours eu lieu. Et je pense que pour moi, c'est le résultat de tout ce que j'ai, comment dire, c'est le résultat de ma demande. Et donc maintenant, je peux me consacrer à prier pour les défunts. Et en plus, moi, je suis née un jour, le jour du défunt.